mon amour si tendre, la loco, la petite amitié, colonie si beau, si tendre, la loco. En cette année 2016, qu'il te précède en toutes choses. Que Dieu te tienne par la main, qu'il te conduise. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Recommande-toi que Dieu te conduise cette année. Oh Jésus, Jésus. Car il était à toi. Seigneur, ce qui n'a pas bon, il a mis en Pierre a dit, où irions-nous encore, Seigneur? Car c'est toi qui. Oh Jésus, je m'abandonne à toi. Peu importe l'état, Seigneur. Tiens-moi et sécurise-moi. Rassure-moi, oh Dieu, rassure-moi de ta présence, de ta protection, Seigneur. De ta sécurité, oh Jésus. Je m'abandonne. Nous voici, Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de paix. Il est le Dieu qui élève et qui rabaisse.
réalise la main de Dieu puissante dans ta maison, dans ta famille, au devant de toutes les difficultés. Vois Dieu intervenir maintenant. C'est un Dieu qui opère sans cicatrice. C'est un Dieu qui donne des enfants à la stérile. Il donne la vie aux ossements desséchés. Il est le Dieu qui accomplit l'impossible. Si toi tu es limité, lui n'est pas limité. Aujourd'hui c'est ton jour. Mets en lui ta confiance, car Dieu veut agir. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Quelle est la nouvelle que tu as reçue qui dérange ta vie? Aujourd'hui, je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle. Qu'il s'est élevé du milieu des anges, des hommes, un seul est le véritable. Lui qui a dit, mais voici, envoie-moi. Il est monté à la croix de Golgotha. Et là, il s'est écrié que tout est accompli. Amen. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ restaure. Jésus-Christ guérit encore. Il est un Dieu qui accomplit encore des miracles. Oh Seigneur, nous nous inclinons devant de ta Seigneur. Nous confessons que tu es le roi de gloire. Au-dessus de toi, il n'y a point de Dieu. C'est toi le Dieu qui a confondu le Dieu des Syriens d'Akon. Tu es celui qui a jugé tous les dieux de l'Égypte. Tu es un Dieu incomparable. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous nous abandonnons à ta volonté. Que ta volonté soit faite, ô Seigneur, dans la vie de ton Église, dans la vie de tout un chacun. Béni soit ton nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie, des acclamations à l'honneur de ce Dieu? Bien-aimé, il déclare, j'aimerais exhorter l'Église, dit quelque chose pour une minute. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un Dieu grand pour des grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aimerait que tu fasses quelque chose de grand pour que lui aussi il agisse. Alléluia. Amen. Cela peut paraître anodin, petit, quand tu lis dans la parole du Seigneur. La Bible me dit, quand il a regardé le paralytique, il lui a dit, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Pour le Seigneur, c'est facile. Mais pour le paralytique, c'était difficile. Parce qu'il ne marchait pas. Donc, il devait faire un effort. Alléluia. Amen. Il devait faire un effort, aller au-delà de sa condition, de sa situation. Alléluia. Amen. Toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que Dieu va te demander des petites choses. Donc, c'est un Dieu grand pour des grandes choses. Amen. Un Dieu de gloire. Un Dieu qui aime l'acclamation. Un Dieu qui aime l'acclamation. Un Dieu qui aime qu'on le loue. Des acclamations à l'honneur de ce Dieu. Je vais répéter ce que le frère Antonio a dit en ces lieux. Dans cette année nouvelle, l'année 2016, l'année des percées, nous devons aussi percer, monter dans notre façon d'acclamer pour le Seigneur. Bien-aimé, toi tu acclames le roi de gloire, tu es assis. Le Seigneur est assis, toi aussi tu es assis. Il est l'incomparable, le même hier, aujourd'hui, éternellement Dieu. Oh, il mérite des acclamations. Nous voulons louer le Seigneur. Nous voulons vraiment louer le Seigneur. Nous voulons vraiment louer le Seigneur. Et j'exhorte l'Église dans ces choses. Ne vous cherchez pas d'excuses. Ça, c'est une exhortation.
Ne cherchez pas d'excuses pour louer le Seigneur. Parce que si tu ne veux pas le louer, il te laissera dans ta condition. C'est le jour que tu comprendras que non, je préfère encore louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu te laissera dans ta condition. Assis, tu seras toujours assis. Ceux qui vont s'élever, Dieu va les élever. Quand il a dit que mon serviteur montera, il montera encore, encore et encore. Oh, c'est Dieu, il est merveilleux. Bien-aimés, faites-nous monter. Nous voulons vraiment louer ce Dieu. Nous voulons monter. Nous voulons percer ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer cette sœur rapidement, ça rapidement. Je lui dis salut, shalom, 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 shalom. Je lui dis si tu es dans ce pays, si tu es suspect. Hosanna, 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 Hosanna,
Comme ça,
Et comme ça, ah, ah, il sait que je l'ai reçu du Seigneur. Ah, il sait que je l'ai reçu du Seigneur. Ah, il sait que je l'ai reçu. Au nom de Jésus, allez, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Ok, aïe, 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 c'est que je veux. Aïe, il sait que je veux. Aïe, 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 c'est que je veux. Aïe, il sait que je veux. Aïe, 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 c'est que je veux. Donne à ton voisin, à ton frère, aïe 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 aïe. Tu recommences, demandez-lui. Demandez, tenez, tenez, tenez. Tenez, comme ça, tenez. Et comme ça, comme ça, et comme ça, comme ça, et comme ça, comme ça, et comme ça, et comme ça. Aïe, c'est caché, je le laisse du Seigneur. Aïe, c'est caché, je le laisse du Seigneur. Aïe, c'est caché, je le laisse. En nom de Jésus, allez, laisse-moi. Je vais avancer, 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 je vais avancer
pour le roi de gloire. Alléluia. 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 Dieu est bon. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Chéri reine, il est le roi des rois. Alléluia. Nous voulons vraiment comprendre qu'il est le roi des rois. S'il est le roi des rois, s'il est le roi des rois dans ta vie, tu vas te mettre debout pour pousser des cris de joie et acclamer encore pour ce roi. Maintenant parce que je sens qu'on doit continuer. Oh Jésus, 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 tu es bon. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, chaque chose a son temps. Yes. Pendant qu'on était en train de chanter ici, Naina Kendewa Pie, le culte était déjà fini. Quelqu'un a compris? Tout a été fait en ce moment-là. Tout a été fait. Nos cœurs préparés pour recevoir la parole. Alléluia. C'est pour cela, pendant que la chorale chante deux fois, frère, fais l'effort d'entrer dans le cantique. Dieu va t'ouvrir les yeux de l'esprit. Où irons-nous encore? Aujourd'hui, je ne sais pas si je dois rentrer chez moi. Parce que Dieu est ici. Dieu, je sens que Dieu est ici. Alléluia. J'aimerais rester toujours dans sa présence. Dans sa présence, j'oublie mes soucis. Il s'est chargé de nos douleurs. Dans sa présence, chaque fois que nous venons au culte, cherchons à entrer dans la présence de Dieu. Il y a des mystères cachés là-bas. Alléluia. Amen. Rendons gloire au Seigneur. Rendons gloire au Seigneur. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons passer à la prédication, mais j'aimerais dire quelque chose à l'église avec votre permission, le pasteur Pierre. J'aimerais vraiment dire merci au Seigneur parce que quelque chose de très grave est arrivé dans ma famille, dans ma belle famille. Et nous avons fait confiance au Seigneur. Amen. C'est quoi l'histoire? Mon beau-frère, le jeune frère de ma femme, qui est là, il est en Afrique du Sud où il travaille. Il est superviseur dans une entreprise. Les Zoulous, vous les connaissez, hein? Ces Zoulous-là, ils ont volé dans le magasin. Alors, on a fait l'enquête, on lui a posé la question, il a dit, écoutez, ce sont les deux messieurs ici qui sont les auteurs du forfait. Pendant qu'ils rentraient à la maison, ces Zoulous-là sont allés prendre leur famille.
ils l'ont agressé. Je parle d'agression. Père de gloire, merci le Dieu vivant. Merci pour ces instants, Seigneur. Merci pour ta main de guérison, ta main qui protège, ta main qui sécurise. Merci, Seigneur, parce que tu as accompli une fois de plus ta parole et ta promesse. Tu as gardé ton fils en Afrique du Sud. Seigneur, tu l'as épargné du danger. Nous te rendons gloire. Car tu es le Dieu qui écoute. Et le Dieu qui exauce. Seigneur, bénis ta parole. Et bénis ces instants. Édifie nos cœurs. Seigneur, nous voulons percer. Dans le nom glorieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et toute l'assemblée dit Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Je vous salue dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Je croyais qu'on allait dire Amen bien. Je vous salue dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Celui qui était, celui qui est, celui qui vient. Amen, amen. Amen. Alors, avant de passer à la parole de Dieu, voordat wij overgaan naar voulons het recevoir de Heer, notre invité du jour, willen we onze uitgenodigde van de dag, qui est le président. Oh, c'est, comprenez, tous les Noahs deviennent des présidents, je ne sais pas pourquoi. Alle Noahs worden president, en ik weet amen. Niet waarom. Amen. Nous allons appeler le frère Noah, son papa, sa maman. We gaan Noah roepen, zijn papa et sa maman. Et je vais appeler les deux mamans présidentes de prendre le bébé. Et on se met debout, nous allons chanter pour accueillir le bébé. La recette. Nous sommes dans la joie, nous chantons, nous rendons gloire à Dieu. Il est notre Dieu. Oh, il est le même. Jésus. Chantons ensemble. Il est le même. Nous acclamons. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus. Oh, il est le même. Jésus ne change pas. Aleluya, aleluya.
Je suis vraiment dans la joie de voir ce couple au milieu de nous aujourd'hui. Le frère Christian m'a toujours dit, papa, je vais venir. Papa, je viendrai. Je vais venir, je viendrai pas cette fois-ci, je viendrai avec Maud. Maud, ça va? Maud, très bien. Bien, très bien. Gaat het goed? Ah, non, non, non. On s'entend bien ou bien très bien. Goed of heel goed. Ah. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, en ce jour, nous disons merci à notre Dieu. We willen onze Heer bedanken. Pour tout ce qu'il a fait. Voor alles wat hij heeft gedaan. 9 mois dans les vents, c'est pas facile. 9 maanden in de buik is niet alors, c'est ce témoignage-là que nous avons besoin. Het is die getuigenis die wij nodig hebben. We commençons avec papa. We gaan eerst beginnen met de papa. Le papa de Noah. De papa van Noah. Il va parler. Hij gaat spreken. Et pour des remerciements au Seigneur. De Heer bedanken. Car la Bible dit si Dieu ne protège pas. Want de Bijbel zegt dat als de Heer niet beschermt. Protège vont travailler. Degene die dat doet, doet het voor. Beaucoup sont allés pour accoucher et sont pas rentrés. Velen zijn gaan bevallen en zijn niet teruggekomen. Mais Dieu a fait grâce. Maar de Heer heeft zijn gunst gedaan. Alléluia. Amen. Je voulais seulement dire merci à tout le monde. Merci au Seigneur. Merci parce que l'accouchement s'est très bien passé. On est entré, on a fait 38 minutes et ik wil de Heer bedanken, want alles ging heel goed. Ik heb 38 minuten gedaan in de baby. En Noah is gekomen. 49, 50 centimeter. 2,950 ongeveer. Alles is goed gebeurd. En we zijn terug naar huis gegaan. Na 2-3 dagen. Ik wil de Heer bedanken. Ik wil ook de kerk bedanken. Want ik geloof dat gloire au Seigneur. Je crois qu'on allait acclamer bien. Gloire au Seigneur. Ah, ça commence bien. Donnez un peu à monter le micro. Alors toi aussi, tu vas dire. Parce que tu sais, il y a des choses. Papa a parlé. Dus papa heeft gesproken. Il était en dehors. Dus hij was daar. C'est toi qui as porté pendant 9 mois. Maar jij hebt 9 maanden de baby gedragen. C'est pas par ta force. Het is niet door je eigen kracht. Parce que beaucoup sont allés au parrain. Want velen zijn gegaan naar het ziekenhuis en zijn niet teruggekeerd. Un mot de reconnaissance à notre Dieu. De Heer bedanken. Parce que nous savons que c'est lui qui donne. Want wij weten dat het de Heer is. Et nous savons que c'est lui qui protège. En we weten dat het de Heer is. Et nous savons que c'est lui qui garde. En we weten dat hij ook behoudt. Un petit mot de la part de notre Dieu. Ik ben ook iedereen dankbaar. Donc, je remercie tout le monde. Amen. Amen. En alles van dankbaar, alles zo goed is geworden. Donc, je remercie parce que tout s'est passé très bien, parce qu'il est en bonne santé. Que Dieu soit loué. Parce qu'il grandit très bien, il est toujours très bien. Donc, je suis très contente pour tout le monde qui a prié pour nous et donc je suis très contente que, pour tout ce que Dieu a fait. Et j'espère que tout va rester très bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Acclamer pour notre Seigneur. Au Seigneur. Parce que moi, j'interroge toujours. Hij stelt steeds vragen. Ah oui. Faut se préparer déjà. Je moet je altijd préparer. Nous allons avec Maud. Dus we gaan eerst beginnen met Maud. Maintenant, d'après toi. Dus volgens u. D'après toi. Volgens u. L'enfant ressemble à. Op wie lijkt het kind? Met Il a le caractère de son père. Ah, caractère de son père. Et puis. Et le reste. Ça. Donc, mélange tous les deux. Donc, il dit l'enfant est mélangé. C'est du mélange. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Il a dit amen. Alors, nous voulons écouter papa parce que. Nous voulons écouter papa. Donc, quand tu regardes les yeux là et les mains. Venir tu n'as les neus et ses yeux. Comment tu vois? Les nez africains. Alors là, c'est Déborah, je pense. Là, les nez africains, les
les oreilles de maman. Hein? Donc c'est du mélange, comme elle a dit. C'est un mix entre maman et fille. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Ça, c'est bon. Alors, écoutez. Maintenant, là, vous entrez dans notre groupe de parents. Donc, vous devenez des parents. Vous devez vous comporter en parents. Donc, l'autre fois, vous n'avez pas de responsabilité. Maintenant, vous avez des responsabilités. L'enfant, c'est Dieu qui donne. Het kind is de Heer die het geeft. Vous prierez pour cet enfant. Jullie gaan steeds bidden voor het kind. Et vous vous occuperez de cet enfant. En jullie gaan zorg dragen voor jullie. De tout ce qu'il aura besoin. Voor alles wat hij nodig zal hebben. En les soumettant au Seigneur. En het steeds onderleggen aan de Heer. Parce que c'est le Dieu pourvoyeur. Want het is de Heer die voorziet. Que ce Dieu pourvoie à sa croissance. Dat de Heer voorziet voor zijn groei. Qui a dit amen bien. Wie zegt er amen? Est-ce que nous pouvons prier pour le bébé? Kunnen wij bidden voor de baby? Gloire à Dieu. Pendant que l'église, la chorale nous amène un peu dans la présence de Dieu, donc s'enlever, nous voulons les recommander à la grâce de Dieu. We willen hem laten in de gids van de Heer. Le Dieu tout-puissant. Met de krachtige Heer. Le Dieu qui garde. De Heer die behoudt. Le Dieu qui protège. De Heer die beschermt. Le Dieu qui sécurise. De Heer hem steeds behoudt. Que la main du Très-Haut soit sur lui. Dat de hand van de Heer op lui. Laten we onze stemmen verheffen. Dieu d'amour et Dieu de miséricorde. Heer van liefde en Heer van medelijden. Je lève mes mains vers toi. Heer, je recommande le bébé Noah entre tes mains, Seigneur. Yahweh, que ta main puissante, ta main glorieuse. Sois sur lui, Seigneur. Que tu le protèges, que tu le sécurises, pour voir à sa croissance. Il doit tous les plans de l'ennemi, il doit tous les plans du diable. Donc, qu'il ne confesse pas ta Seigneur, au devant de lui, qu'il soit anéanti, qu'il soit brisé, et qu'il soit projeté dans les lieux arides. Au nom glorieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons amen. 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 Que tous les plans diaboliques, les plans sataniques, les plans de ténèbres, soient anéantis, qu'ils soient visés, qu'ils soient projetés dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Allez, soyez bénis. Nous acclamons pour notre Dieu. Amen. Nous voulons passer à la parole de Dieu. We gaan over naar het woord van de Heer. On ne peut pas vraiment commencer la parole de Dieu sans que le Seigneur assime ma bisson. Oh, Jesus, Simbanga,
Élève ta voix dans la prière. Dis Seigneur, tiens-moi la main. J'aimerais vivre à ma percée. J'aimerais percer. Seigneur, tiens-moi la main. Car sans toi, je ne peux rien faire. Tiens-moi la main. Je vais aller jusqu'au-delà. Je vais vivre à ta main. Dans ma maison. Dans mon travail. Dans mon projet. Dans ma famille. Dans tout ce que je vais entreprendre. Seigneur, tiens-moi la main. Élève ta voix dans la prière. Recommande ton sort à l'Éternel. Et mets ta confiance en lui. La Bible dit qu'il agira. Libère la prière. Élève ta voix dans la prière. Libère la prière. Oh Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié. Car c'est toi qui es Dieu, Seigneur, cet après-midi. Merci pour ta grandeur, merci pour tes merveilles. Nous allons lire tous ensemble. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 1, verset 8. Nous allons élever nos voix ensemble pour prier, pour faire la lecture. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 1. Et verset 8. Deutéronome, chapitre 1, verset 8. Nous lisons ensemble. Une, deux. Nous lisons ensemble. Voyez, je mets le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a donné à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Allez à leur postérité après eux. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez, et prenez possession du pays que l'Éternel agirait de donner à vos pères, Abraham, Isaac, Jacob, à eux et à leur postérité après eux. Qui a dit Amen. Amen. Deuxième lecture. Nous sommes dans le livre des Nombres. Chapitre 13. On va nous lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 33. Nombre 13, verset 26 à 33. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. À Kadès, dans le désert des Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Parole du Seigneur. Amen. 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 Maintenant. Bien-aimé, 2016, c'était l'année. Geliefde 2016, wat voor jaar is het? C'est quelle année, je demande? Wat voor jaar is het?
Il y a deux personnes que c'est l'année de percer. Zeg tegen twee personen, het is een jaar waar ik er door zal gaan. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que ta percée est possible en cette année 2016. Dieu n'est pas limité. Si les hommes sont limités, Dieu lui n'est pas limité. Si les hommes sont faillibles, notre Dieu n'est pas faillible. Qui a dit Amen, très bien. Un Dieu puissant et un Dieu glorieux. Een krachtige en glorieuze Heer. Bien-aimé. Geliefde. Quand Dieu te tient la main, wanneer de Heer u bij de hand vasthoudt, tout devient possible. Dan wordt alles mogelijk. C'est pourquoi nous avons chanté. Het is daarom dat we hebben gezongen. Que le Dieu de gloire te tienne la main. Dat de Heer van glorie u bij de hand vasthoudt. Que le Dieu de gloire te tienne la main. Dat de Heer van glorie u bij que de hand vasthoudt. Que tu marcher avec lui. Dat je met hem kan lopen. Jour après jour. Dag na dag. Moment après moment. En moment na moment. En cette année 2016. In dit jaar 2016. Avec ce Dieu grand. Met die grote Heer. Qui a dit amen. Wie zegt er amen? Quand Dieu te tient la main, wanneer de Heer u bij de hand vasthoudt, même si la mer, zelfs al is er een zee, rouge s'est dressé au devant de toi, zelfs is de rode meer voor jou, frère, tu vas percer. Mijn broeder, jij gaat er door. Oh, j'ai dit, ma soeur, tu vas percer. Ik zeg, mijn zuster, jij zal er door. Tu vas aller au-delà. Jij gaat zelfs veel verder. Parce que la Bible dit qu'avec Dieu, want de Bijbel zegt met de Heer, nous ferons des exploits. Zullen wij een overwinningen behalen. Ja, die amen, très bien. Wie zegt er amen? Je crois à ce Dieu. Ik geloof in die Heer. Il y a quelqu'un qui croit aussi à ce Dieu. Is er iemand die in die Heer gelooft? Il y a quelqu'un qui croit à sa percée. Is er iemand die gelooft dat hij doet? La façon dont vous répondez vraiment ne me rassure pas. De manier waarop j'aime les hommes et les femmes de foi. Ik hou van mannen en vrouwen. Parce que ce que nous allons vivre. Want wat wij gaan meeleven. Gaat afhangen van ons geloof. Si tu as la foi. Als je het geloof hebt. La Bible dit tu verras. De Bijbel zegt dan zal je zien. Si tu n'as pas la foi. Als je geen geloof hebt. Tu feras le sur place. Dan ga je ter plekke blijven staan. Wie zegt er amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il va percer? Is er iemand die gelooft dat hij erdoor zal gaan? Dis avec moi haute voix, je vais percer. Zeg met mij, ik zal erdoor gaan. Dis encore à haute voix que je vais percer. Zeg nogmaals, ik zal erdoor gaan. Bien-aimé. Geliefde. La percer. Dus om erdoor te kunnen gaan. C'est la traverser. Dat is oversteken. La percer. Erdoor gaan. C'est atteindre son but. Dus dat is uw doel behalen. Le but que Dieu a préparé. Dus het doel dat de Heer heeft voorbereid. Parce que les diables de ce monde ont préparé.